Bon, bien, moi j'arrive de là, là, de ce sentier-là, chemin, avec les méga montées que ça fait, hein, et puis plus bas. Et ici, il faut que je prenne le balisage VTT, ici à droite, le chemin, enfin, ouais, la petite route. Là, c'est hors balisage. Allez, là-bas, on a les crédits par là, les prémices, enfin, le début des crêtes, avec nuages accrochés. Niveau des crêtes. Allez, allume l'assistance. Je crois que j'en ai pour un petit moment là de route. Donc j'ai filmé juste le départ. Et... ouais, en basse nique et bidarail. Ouais. Je sais pas où il va ce balisage. Je sais pas ce quel circuit c'est ça. Je sais pas si c'est celui-là que je vais suivre ou pas. Ok, ouais, je vais couper là. Je... ah, c'est bouché là-bas. Hein. À mi-hauteur, c'est bouché quoi. Hein. Allez, à plus. Voilà, c'est magnifique. Ouais, ça se poursuit le balisage là. Mon circuit. Là on a une crête. Et Arsamendi il est là-haut. Hein. On voit le premier bâtiment. Bon, il y a une route qui y va. Et normalement il y a les antennes. Là il y a le brouillard qui. Les nuages au niveau de l'antenne. Et ça, il y a une petite crête là. C'est pas par là, hein. Non, non, c'est par là, c'est derrière, hein. C'est par là-bas. Allez, moi je vais poursuivre là ma route et je pense que bah, voilà, elle va me faire monter là-bas, là-bas et puis après arriver aux sortes de col là-bas, ça sera la montée sur l'Arsamendi. Alors soit par la piste, enfin la route, ou ouais, je sais pas, je crois qu'il y a possibilité de faire autrement, mais mon circuit il passe pas par là. Enfin, il passe pas par la variante. Mais bon, je vais essayer la variante, on verra. Allez, je vais couper là, parce que là, il y a une portion de route, je pense, jusque là-bas. Allez, à plus. Bon, mais là, la route se termine. Après, c'est une chemin, piste. Balisé toujours, le balisage. Bon, ça c'était la crête que je voyais. C'est pas les crédits par là. Les crédits par là, c'est là-bas. Comme je disais. L'Arsamendi c'est au-dessus, mais. Voilà, comme les crêtes, c'est dans le nuage. Allez, let's go! Alors, moi j'ai deux traces en fait. Bon, j'ai la trace d'aujourd'hui là. Puis j'ai une autre trace une prochaine fois où, qui me fait faire un tour là-dedans et qui emprunte un peu cet itinéraire là. Moi c'est ma trace rouge et là j'ai la trace bleue de l'autre itinéraire. Et là elle se chevauche parce que ça fait passer au même endroit et jusque là-haut et après ça fait faire une boucle. Au niveau de la crête, je pense, par là-bas. Ce sera pour une autre journée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est l'Arsamendi. La montée et la descente. Ok, je vais couper là. Là, ça va commencer à monter raide. Ah, ben, je crois qu'il y a un autre vététiste. Je vais croiser. Ah non, mec en trail. Je croyais que c'était un vélo. Bonjour. Ah ok d'accord, la piste elle est bétonnée là. Oh putain. Ah, d'accord. Pour aller aux champignons là. Ou quoi, champignons ici? Chut, pas le dire. Ah ouais, c'est des arbres ça.
piste bétonnée. Je ne sais pas si elle est bétonnée jusqu'en haut. Ouais, je vais couper là, ouais.